Vu que je passe devant pour aller ou revenir de mon collège, et ben, je vois un peu comment ça avance. Et puis vu que je suis passionnée par l'histoire, ça m'avait donné envie d'y aller. On a ici, en gros sur tout le secteur, un site qui a été occupé à l'âge du bronze et à l'âge du fer, dans lequel les gens ont habité, cultivé et produit des objets. Mais chaque fois qu'on en fouille un, on documente un petit peu plus les éléments de la société des vivants. Et il y a une chose importante aussi, c'est que les gens y vivent, ensuite ils meurent. Et on a la chance ici d'avoir mis au jour aussi des sépultures qui sont associées à ces traces d'habitat. Ça permet d'avoir une autre vision du projet, en fait. Autant on nous présente le futur, autant on ne nous a pas encore montré, on va dire, le passé. Et justement, là, c'est formidable de voir la place de l'homme et des constructions aussi dans l'histoire, ce qu'il a été, ce qui est maintenant et ce que ce sera dans peut-être plusieurs siècles.